Radio VL, premier média de jeunes en France. Alors pour moi, notre Summer Mess, c'est chaque année vraiment un événement dont je me réjouis. Et là, bah, comme vous venez de me dire, ça fait 3 ans consécutifs que je participe à ce concours. Donc ce qui est génial, c'est qu'il y a un suivi qui se crée en fait avec toute l'équipe Hermès avec qui j'ai des contacts toute l'année via mon sponsoring. Et puis jamais être ici parce que c'est un concours qui est tellement bien organisé. Et puis là, ça fait 3 ans que je viens, mais j'ai pu emmener chaque fois une jument différente. Donc je peux aussi sentir des différences, même si c'est un concours qui se répète. Et j'aime bien voir comment chaque cheval se comporte la première fois dans ce parcours et dans cet endroit. Alors je trouve que c'est une piste qui est assez technique parce qu'elle est quand même petite et étroite. Les chevaux sont très à l'aise dedans, il faut quand même le dire, mais en général, il faut un petit temps d'adaptation. Et surtout moi qui ai passé tout l'hiver à sauter à l'extérieur, en fait, j'ai pas du tout fait de concours interne. Et ça m'a fait un peu un choc, mais je me suis entraînée un tout petit peu à l'intérieur avant de venir ici pour être sûre de pas être trop choquée, mais ça se sent parce que j'ai vraiment couru sur des grandes pistes avec beaucoup d'espace cet hiver en Floride. Et du coup là j'arrive et c'est beaucoup plus restreint. Donc il faut un peu travailler, mais c'est pas non plus impossible. C'est vraiment une piste qui est agréable à monter. Le public, les chevaux l'entendent beaucoup parce que les applaudissements ils passent au micro, etc. Donc on les entend assez fort. Mais en général, ils ne sont pas trop déconcentrés. Une fois qu'ils sont lancés, ils sont vraiment, vraiment bien dans leur parcours. Alors, je trouve qu'elle s'est très bien comportée. Ce matin, elle était très chaude quand je l'ai montée. Mais là, elle s'est bien calmée pendant le parcours. Elle était très attentive à ce que je lui demandais. J'ai fait une petite faute, mais voilà, l'épreuve d'aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la warm-up. Ce n'est pas une épreuve qui est trop importante. Enfin, c'est toujours important, mais c'est moins important qu'un Grand Prix. Donc je trouve qu'elle a fait des très bons sauts, elle a été décontractée, elle a été déliée. C'est une toute petite faute qu'elle a fait, j'espère que je pourrai ne pas la répéter dans les prochains jours. Alors effectivement, Cheyenne, on l'a acheté il y a presque un an maintenant. Je me rappelle qu'on en avait parlé à notre dernière interview. Cheyenne, j'ai eu besoin d'un petit temps d'adaptation. Au début, on faisait pas mal de parcours avec 2-3 fautes où elle n'était pas trop habituée à moi et moi pas trop habituée à elle. Et finalement, dès que le déclic s'est fait, on a fait vraiment des belles performances. On a pu faire des Grands Prix 3 étoiles avec des bons résultats. On a fait cet hiver, on a sauté assez gros. On a fait nos premiers parcours 1m60 aux États-Unis. Et elle s'est vraiment toujours comportée d'une façon incroyable. Elle se bat toujours pour moi, elle a toujours envie de bien faire. C'est une jument qui est très très généreuse. On s'entend très bien et puis je pense que maintenant on est vraiment devenu un couple qui se connaît bien. Et on s'entend bien, on fait des bons parcours. Bah pour moi, c'était sûr que c'était un cap à passer qu'elle m'a permis de passer parce que j'avais toujours Rose et Elisa qui sont des juments super, mais elles sont très respectueuses et si on les fait sauter trop haut, elles se font un petit peu peur. Alors que Cheyenne, au contraire, même si elle est respectueuse, c'est une jument qui ne se fait pas peur par la hauteur ou la largeur des obstacles. Et pour moi, de continuer dans ma carrière vers le plus haut niveau, c'était nécessaire de pouvoir aller avec un cheval qui ne se fait jamais peur parce que moi, je suis encore une cavalière qui doit apprendre. Et si j'apprends et que je fais des erreurs, il me faut un cheval qui ne se laisse pas perturber. Et elle est vraiment dans sa tête, elle est super, elle se laisse jamais abattre si elle fait 4 points ou plus. On peut toujours continuer et continuer à progresser durant son parcours. Donc pour moi, c'était vraiment important de pouvoir aussi compter sur elle pour faire mes premières épreuves jeune cavalier et tout ça. Alors Daniel, c'est vrai qu'il m'entraîne maintenant depuis 3-4 mois. On s'entend très bien, j'aime beaucoup la façon qu'il a de m'entraîner parce qu'il comprend très bien ma jument. Ensuite, je pense que c'était une super expérience de partir aux États-Unis parce que c'est quand même un monde à part, même si c'est du jumping. C'est des pistes très grandes, des chronomètres qui sont très serrés, donc il faut avoir un rythme qu'on a peut-être un peu moins facilement en Europe parce qu'on n'est pas vraiment forcé à l'avoir. Alors que là-bas, un parcours tranquillement bien fait, on sort avec 3 points de pénalité de temps. J'ai beaucoup apprécié pouvoir faire de la compétition contre des vraiment tout grands cavaliers fréquemment. Il y avait Meredith, Eric Lamaze, il y avait Daniel Bouman contre qui j'étais souvent aussi, il y avait Lauren Hoff, Billy Madden, vraiment des légendes qui sont là-bas tout l'hiver aussi. Et je trouve que c'est agréable de pouvoir les voir sur plusieurs concours à la suite parce qu'on apprend aussi à les connaître. Et j'ai eu accès à des plus gros concours qui sont un peu plus difficiles à accéder pour moi en Europe parce que les places sont plus chères étant donné qu'il y a plus de cavaliers suisses et que je ne suis pas du tout encore une des meilleures.
Alors vu que là-bas j'étais plus ou moins la seule Suisse qui faisait de la compétition, bah, c'était plus facile d'accéder à ces concours. Alors maintenant je suis rentrée en Suisse dans les écuries de mes parents. Daniel rentre en Europe dans un mois, mais lui reste en Belgique et il viendra me faire travailler chez moi en Suisse. J'avais vraiment l'envie de retourner chez moi et de construire un truc un peu plus professionnel avec mes parents, un truc qu'on peut faire ensemble parce qu'on a une super belle installation en Suisse et on aimerait bien la faire évoluer un peu plus sportivement maintenant. Mes objectifs, j'aimerais vraiment pouvoir participer au championnat d'Europe de jeunes cavaliers avec Cheyenne. Ma saison va se baser un peu là-dessus, j'espère. Donc faire les CSI aux qualificatifs et si possible quelques gros parcours avec elle, quelques 4 étoiles si j'ai accès. Ensuite, à côté d'elle, j'ai Elisa qui recommence à travailler après une blessure. Donc je pense qu'on va prendre un peu de temps pour la remettre en état, mais j'espère vraiment pouvoir recompter sur elle pour faire des bons parcours à 1m40, 1m45. Là, j'ai 2 chevaux de 6 ans qui vont arriver la semaine prochaine, qu'on me donne à travailler. Et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que j'ai toujours beaucoup aimé les jeunes chevaux. J'aime bien former un cheval, j'aime bien apprendre à le connaître et le faire évoluer. Donc c'est bien, je suis contente. Alors Hermès, ça fait maintenant, ça va être la 3e année que je suis en partenariat avec eux. Ça s'est toujours très très bien passé, on s'est toujours très bien entendu. Je me suis beaucoup basée sur ce partenariat sur la selle, qui était vraiment le principal objet de notre partenariat. Là, j'ai d'ailleurs une nouvelle selle avec Cheyenne, qui est leur nouvelle selle, la selle Hermès Allegro, qui est basée, qui a été fondée avec Pilar Cordon, Daniel Blumann et Lily Kinnan, qui ont une équitation un petit peu plus dans le style américain, le buste un petit peu en avant, et ça convient très bien à Cheyenne. Donc j'adore ce qu'ils font, j'aime bien voir leur évolution, ils sont vraiment très intéressés pour faire progresser, pour discuter, et c'est ça ce que j'aime dans ce partenariat. Dans ce milieu, c'est vrai que quand on est jeune, bah, c'est vraiment la période où on apprend à savoir qui sont nos amis et qui ne le sont pas forcément. Ce que je dis pas, ça ne veut pas dire qu'on est des ennemis, mais pas forcément des personnes avec qui on est amis. Après, je pense qu'il y a beaucoup de compétitions, c'est sûr, parce qu'il y a toutes ces sélections, des championnats d'Europe, etc. Et ça crée une assez grosse tension. Mais c'est vraiment... moi, j'ai des très bons amis dans ce milieu qui font les mêmes épreuves que moi, avec qui j'ai vraiment aucun problème. J'ai aussi des personnes avec qui je suis capable d'être en équipe et que ça se passe très bien. J'ai pas de personnes avec qui je supporte pas être en équipe, mais il y a quand même des tensions qui se créent, un peu de compétition, parfois un peu de jalousie parce que tout le monde part pas avec les mêmes moyens et il faut le savoir. Alors moi je me suis en général très bien entendue avec tous mes coachs. Si je changeais, c'était comme un accord. J'ai eu quelques disputes, mais vraiment rien qui fait qu'on se dit plus bonjour aujourd'hui ou quoi. J'ai m'entraîné pendant un an avec Kevin Stott et ça s'est arrêté parce que voilà, c'était un stage d'un an qui était prévu de... Même pas un an, à la base c'était 6 mois, mais j'ai voulu faire plus longtemps. Et puis là, je me suis entraînée avec Daniel qui s'est présenté à nous et c'est une opportunité qui est vraiment bien tombée pour moi parce que j'avais très envie de partir aux États-Unis. Mais Kevin, je le vois ici, on s'entend encore très bien. Donc oui, il y a des coachs et des élèves avec qui ça va plus. Moi, j'ai pas vraiment eu ce problème-là. Je pense pas du tout que j'ai tout acquis avec Cheyenne. On a passé un bon cap dans le sens où on est un très bon couple. Maintenant, il y a quand même beaucoup de parcours où on commet encore une faute, souvent une faute en répétition. C'est un peu un abonnement dont j'essaie de me défaire. Mais c'est sûr que c'est une jument qui a besoin d'un peu plus de support et de pression dans le corps avec moi que les juments que j'avais l'habitude de monter auparavant, donc j'y travaille. Elle a pas de gens ou d'obstacles qu'elle déteste. Elle déteste les poneys. Elle a horreur de tout cheval qui est plus petit qu'elle. Elle en a une peur bleue et elle ne peut pas s'en approcher. Après, elle a un défaut, c'est qu'elle se déporte pas mal à gauche. Et ça peut me coûter une faute, mais comme j'ai un peu appris à m'y attendre, ça va mieux. Mais elle a pas vraiment un obstacle qui lui fait peur. Ici, là, ça va parce que c'est des épreuves, je me suis vraiment habituée à cette hauteur, mais... Cet hiver, j'ai fait vraiment des gros parcours et j'ai pas eu reconnaissance. J'étais blanche et pâle et je me disais, mais c'est pas possible, je peux pas sauter ça. En plus, ma jument est toute petite et du coup, je me suis dit, c'est pas possible, c'est des obstacles qui font sa taille et finalement, ça a été. Mais au début, je pense qu'il faut quand même un peu de temps pour s'habituer à des hauteurs comme ça. Chez les jeunes, non, bien sûr, moi j'ai ma meilleure copine qui est avec quelqu'un qui était à la base pas du tout dans le monde du cheval.
et qui maintenant la suit le plus possible en concours parce qu'ils s'entendent vraiment à merveille, etc. Après, c'est sûr que c'est difficile parce que nous, on bouge beaucoup, on va pas... C'est difficile aussi de planifier son année parce que les concours auxquels on participe, ça dépend aussi des résultats précédents, etc. Donc, il y a des couples qui tiennent pas, mais je pense que c'est possible malgré tout.